Coffre légendaire. On espère qu'on a de la voleuse sur la nuit, s'il vous plaît. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash Royale. Extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver. Regardez-moi ça à gauche, nous avons du coffre légendaire. Regardez-moi ça à droite, nous avons du petit coffre de clan. Donc ça va être un pack opening les amis aujourd'hui, spécial puisque c'est gratuit. Je fais très rarement des coffres opening. Des coffres opening, oui, nouveau truc, coffre opening, je pense être le titre. Coffre opening, magnifique, je fais rarement des packs opening gratuits. Et là les amis, on a plein de choses, on a du coffre gratuit déjà pour commencer, voilà. On n'est jamais à l'abri d'une petite surprise de type légendaire ou même des épiques, ça fait plaisir. Voilà, les chauves-souris, parfait. Le coffre couronne, peut-être une petite carte légendaire, hop et tout. Pas du tout, c'est vrai que j'ai un peu provoqué la chance, j'ai essayé de provoquer un peu la chance. Coffre géant, et on va partir ensuite sur un ordre croissant, c'est-à-dire du moins bien au meilleur. Donc le moins bien, c'est le coffre géant, qu'on va s'ouvrir tout de suite. Allez, des chauves-souris, ça fait plaisir. 4 cartes. Les amis, peut-être la légendaire, pas du tout. Pas de légendaire, mais c'est pas grave, on a 57 mousquetaires qui sont une très bonne carte, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, même si je suis un peu déçu. On va donner du géant royal et des archers, puisqu'on en a trop. Voilà, ça nous fait un peu d'or. Voilà, ok. Et on va ouvrir le coffre de clan, du clan Deadly Monkey, qui a emporté le coffre de niveau max en quelques jours, en quelques instants. Donc voilà, un grand merci à eux d'avoir fait le travail. Puisque moi je n'ai fait qu'un seul combat en 2v2, vous savez que je suis pas fan. Des fournaises et des ballons, bah écoutez, pourquoi pas. Et on aura du coup les amis, le coffre légendaire après deux petites parties. On va se faire deux petites parties, non pas en super défi, mais on va se faire les amis tout simplement une partie en ladder. On est en début de saison, donc voilà, tout le monde n'est pas encore à 5000 trophées. Donc j'espère que ça va passer. Ok, le blade combat ici. Oh là là, donc là, autant de... C'est un peu compliqué là, le mec tente une agression directe. Est-ce que ça défend? Ça ne défend pas malheureusement. Oh, il a les flèches, alors là, ça part très très bien les amis. Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, soit on temporise, on va... Ok, non, on a bien fait de temporiser. On a bien fait de ne pas mettre le bélier, puisqu'il avait le dragon de l'enfer. Une très bonne carte, il faut le dire, c'est une très bonne carte, cette petite merveille, hein, le dragon de l'enfer. On va placer ça là. Ok, donc lui, il s'en bat les reins. Lui, il s'en bat les reins, donc on va mettre un sort de zap. Pourquoi? Parce que sinon, il va nous prendre la tour. Ok, ah, ça va être compliqué, hein, cette partie, les amis. Ça va être compliqué contre un lockbait. Je la sens pas du tout. On n'arrive pas à accumuler l'élixir. Vous voyez, l'élixir qui n'augmente pas. L'élixir, voilà, qui... Là, il a les flèches, donc voilà. C'est un peu le problème. En plus, il a l'esprit de glace. Ok, si ça peut faire le travail, je suis très content. Si ça peut faire le travail ici, franchement, je pense qu'on a de quoi gagner cette partie. L'armée de squelettes qui va arriver sur la gauche. Ok, une autre princesse, ok. On n'a pas de bûche, malheureusement. Peut-être qu'il faudrait que je mette une bûche à la place du petit sort de zap. Bon, en tout cas. Hein, ça fait pas plaisir, les amis, le début de partie qui fait pas plaisir. On va essayer de placer nos pompes, ça pourrait être sympathique. On n'a pas encore vu de sort de type boule de feu ou quoi. On a vu simplement... alors, c'est parti, la princesse qui va être détruite. Yes, c'est détruit. J'ai eu peur. Parce que quand j'ai dit yes, c'était pas encore détruite. Mais bon, allez, les trois mousquetaires qui vont arriver dans quelques instants. Les trois mousquetaires qui sont notre clé pour gagner. On compte vraiment sur elles pour gagner. Alors, on va laisser la tour. Là, c'est pas grave si on perd la tour. Il n'y a aucun problème là-dessus. La tour, de toute façon, elle est déjà morte. Hein. Je pense pas se mentir, la tour, elle est déjà morte. Ok, la voleuse qui fait le travail. La voleuse, attention, la voleuse qui reste en. Ok, on a une mousquetaire qui reste en vie. On aura notre petit sort de soin dans quelques instants. Ça part en biais de combat à gauche. Il faut pas qu'il détruise absolument notre. Ah, ok. Ok, c'est pas mal. Le sort de zap ici. Pas dégueu, même si j'aurais pu prendre plus de petits. Plus de petits squelettes. Et là, on a notre bélier de combat qui est seulement, entre guillemets, de niveau 9. Donc, c'est pas vraiment la folie. Mais ça fait quand même plutôt le travail. On va essayer de faire tout ça avec les trois mousquetaires. On garde nos petites gargouilles en vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a le sort de flèche. Il a les flèches. Donc, en fait, quand il a les flèches, ça ne sert à rien d'attaquer. Puisque finalement, il va pouvoir me détruire mes gargouilles en quelques instants. Allez, ça va partir en agression. Des deux côtés. Allez, ça part à gauche. Ici, on n'a pas grand chose à faire, malheureusement. On va les mettre, vous savez quoi, on va les mettre. Ça va lui forcer à mettre ses flèches, mais au moins, on aura mis quelques dégâts. Attention ici, attention à gauche. On envoie la mousquetaire qui va pouvoir taper, la mousquetaire qui va taper peut-être. On met les trois mousquetaires dans le coin ici. Allez, ça va détruire. Oh, la voleuse qui n'est pas détruite, c'est pas grave. Allez, à gauche, faut que ça passe, faut que ça passe. On a notre tour de gauche qui est toujours en vie. Notre tour de gauche toujours en vie. Le sort de zap qui est très mal placé, c'est pas grave. Allez, faut que ça passe à gauche. Le bélier à gauche. Il faut que ça passe, les amis, attention. On aura sûrement un gang de gobelins, un truc comme ça. Ok, ça passe, yes, ça passe. C'est bon, ma gueule. C'est ça que c'est bon. Et là, attention, le petit armée de squelette, pas du tout. Pas l'armée de squelette, le
Bélier de combat qui est ici, défendu par les trois mousquetaires. Une à gauche, deux à droite. Je pense qu'on est parti sur une agression. Désolé, Emric, je n'ai pas pu répondre à ton appel. Voilà. Ok, le chevalier à droite. Le chevalier à droite qui va arriver. On en a une flèche de la part de l'adversaire qui est toujours en main. Il a toujours ses flèches en main. On va rajouter peut-être le sort de soin. Et ça va passer, les amis. On va se faire une deuxième game. Le sort de soin, du coup, que j'ai découvert à la fin. Je crois que je l'avais pas mis de la partie. Donc, c'est fantastique. Très belle partie. Le bélier qui, du coup, est un peu bas, c'est vrai, au niveau 9, c'est un peu bas comme le sort de soin, mais bon, on a des bonnes cartes pour se rattraper, donc ça passe. Dernière partie, les amis, on se fait seulement deux parties puisqu'on a du pack opening aujourd'hui. Le deck est un très bon deck, que je vous conseille, que j'avais déjà présenté en vidéo. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le tester, c'est vraiment très très fort. Jouez vraiment défensif, hein, comme tous les decks. Regardez bien s'il y a des flèches en face. S'il y a des flèches, ne jouez pas votre petite horde de gargouilles et gardez-la en main, simplement. Sinon, vous allez perdre de l'élixir, ça va être une catastrophe. Golem 7, donc ça fait très très mal. On aura sûrement de la méga gargouille en face, donc faudra faire très attention. Méga gargouille, bébé dragon. Ok, d'accord, très bien. Bon, pourquoi pas, le mec a un sort de foudre, donc c'est bon à prendre en compte. Il faut vraiment s'en souvenir. Il joue le sort de foudre. Donc, on va placer la horde de gargouille, normalement qui ne devra pas exploser. Enfin, qui ne devra pas tomber lorsque le golem va exploser, si je ne m'abuse. Allez, reste en vie, oui. La gargouille est restée en vie, ça fait vraiment plaisir. La méga qui est là. Oh, attention les amis, on a seulement du sort de foudre. Je pense qu'on aura une petite bûche en face pour l'adversaire. Mais en tout cas, pour... Ah, on a les flèches. Mais qui joue foudre et flèche? Personne ne joue ça. Personne ne joue foudre et flèche. C'est fou ça. Bon. En tout cas, on n'a pas pompé. Je sais pas si je peux me permettre de pomper parce que si... Oh, je joue le canon. Donc ça, c'est un canon très mal joué. Il aurait mieux fait de le mettre quand j'avais mis mon bélier de combat. Là, il met son canon trop tard. Donc ça nous fait 3 d'élixirs de bonus sur lui, ce qui est pas dégueu. Après, il a les flèches. Donc voilà, les flèches qui détruisent mes gargouilles, c'est vraiment pas du tout un bon match-up. Ok, donc là, le foudre qui fait le travail d'habitude, en fait... dans la logique des choses, le foudre, il est censé laisser un élixir à la pompe. Mais là, en fait, comme il a un foudre trop élevé, il a des cartes max, hein, comme vous pouvez le voir. Et bien, finalement, j'ai pu prendre 0 d'élixir face à mon extracteur. La bonne nouvelle, c'est que justement, il n'y a plus de sorts de foudre. Il n'y a plus qu'un sort de flèche. Donc là, on est très très bien. Ok, donc là, les archers qui vont se faire défoncer. Ok, la méga qui est attirée par les petits squelettes. Ok, pas mal, pas mal, pas mal sur la droite. On va peut-être soigner. Oh, j'ai mis un zap. Catastrophe. J'ai mis un zap au lieu du soir. Bon, c'est pas grave. Oui, le sort de soir aurait permis de prendre la tour, mais j'aime le challenge. J'aime le challenge, je l'ai pas, donc ça sera pas. La tour n'est pas prise, mais c'est pas grave. Alors, on va temporiser ici parce que franchement, lui, il peut mettre son golem. On pourra le détruire avec ça. Ok, donc là, il va mettre ses flèches. Donc ça sert à rien. On va plutôt mettre les trois mousquetaires ici tranquillement. Il va mettre sa méga devant. Nous, on va mettre le chevalier ici. Comme ça, sa foudre, elle est impossible. Voilà, ça laisse deux mousquetaires en vie. Autant dire que ça fait vraiment plaisir. Vous imaginez deux mousquetaires restant en vie, c'est vraiment la folie. On va mettre ça. Voilà, on va le forcer à mettre ses flèches. Et on va placer notre... Voilà, il met ses flèches, c'est parfait. Et là, on place la grosse agression avec le bélier de combat, ok, qui va directement se mettre sur le canon qui a été détruit. On a deux mousquetaires, on va les soigner, je pense que ça va le faire cette partie. On a gratté à gauche et à droite, malheureusement, c'est jamais une bonne idée de faire ça. Mais après, je pense qu'on a tellement de mousquetaires en vie que, honnêtement, on peut pas perdre. Voilà, ici, on va passer un petit chevalier pour contrer son sort de foot qui va arriver. Pas de sort de foot, ça fait plaisir. Et là, on pourra finir avec le bélier à gauche. Ah, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Hop, ok. La mousquetaire qui reste pas en vie. On a des pistolets qui détruisent la tour. Mais par exemple, du sort de zap. Oh là, les amis. Alors, honnêtement, c'est toujours compliqué quand on fait des vidéos pack opening pour les youtubeurs. Parce qu'en fait, si vous ouvrez les coffres au début, comme j'ai fait, et que vous perdez 2-3 parties après, vous pourrez pas les couper au montage. Parce que voilà, il faut les laisser. Donc, écoutez, les amis, ça fait vraiment plaisir. 2 victoires. Voilà, je vous montre la preuve. Voilà, les 2 victoires qui sont là, que je viens de faire. Je bouge le doigt, tout ça, voilà, pour vous montrer que c'est pas des trucs enregistrés. Et on ouvre, les amis, coffre légendaire. On espère qu'on ait de la voleuse sur la nuit, s'il vous plaît. Merci, salut à tous. Bisous, bisous. Ciao.